Bonjour à tous, je m'appelle Céline Salette, je suis comédienne et je suis ici pour vous parler de deux films. Un qui va sortir le 5 avril, qui s'appelle Corporate. C'est un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Nicolas Sciol, qui est un gars génial, je t'embrasse Nicolas. On a fait ce film, enfin c'est lui qui a fait le film surtout, ça parle d'une manageuse qui s'appelle Emily Tesswansen et qui pratique, qui incarne le management par la terreur. C'est-à-dire, son but dans la vie, c'est de faire que ceux qui sont sous sa responsabilité partent, démissionnent et qu'elle ne les licencie pas. C'est un film qui parle du harcèlement, de la manipulation, mais c'est aussi un film qui va devenir un thriller parce qu'elle va rencontrer une inspectrice du travail qui va la mettre en difficulté, qui va la pousser dans les cordes, qui va la menacer de mener une enquête, enfin qui va même mener une enquête, mais qui va la menacer de chercher à l'impliquer dans des responsabilités individuelles, d'impliquer sa responsabilité. Et du coup, elle va être obligée de bouger, cette Emily. C'était génial pour moi de jouer ce rôle de belle salope et tout le parcours du film, c'était extraordinaire de le porter. Dans ce film, je suis aux côtés de Lambert Wilson, qui joue mon boss, qui était un partenaire extraordinaire, merci Lambert. Et c'est l'espèce de Steve Jobs de la boîte. Je suis également aux côtés de Stéphane De Groot, qui joue mon camarade manager, et aux côtés de Violaine Fumeau, qui joue l'inspectrice du travail, qui va me pousser dans les cordes. Et puis également aux côtés de Yannick Chouara, de Alice Delanxin et de Camille Japy, pour ne citer qu'eux. Et de tous les autres partenaires qui sont extraordinaires dans le film. On a vraiment fait une super équipe. Et c'était magnifique d'être à leur côté, voilà.